Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président tchadien Idriss Déby Itno a formé ce 7 mai le premier gouvernement de la 4e République, une nomination qui intervient 72 heures après la promulgation de la nouvelle constitution. Et reprise du travail au Bénin, les trois derniers syndicats qui étaient encore en grève ont annoncé suspendre leur mouvement, mais affirment ne pas abandonner leurs revendications pour autant. Les derniers matchs amicaux avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Bénin affrontait le Congo. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1-0. Le premier gouvernement de la 4e République au Tchad est désormais connu. Le président Idriss Déby Itno a nommé ce lundi 7 mai la nouvelle équipe ministérielle, un cabinet de 29 membres qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. Reportage de notre correspondant sur place, Ramadan, commenté par Fanny Mounichi. Au Tchad, la nouvelle équipe gouvernementale de la 4e République est connue depuis ce lundi 7 mai 2018. Elle est composée de 29 membres, dont 19 nouveaux entrants, pour 14 départs. Le départ remarqué est celui du ministre des Infrastructures, Adoum Younousmi, qui a vu son département confié à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padary. Pour certains experts, le nouveau gouvernement est plus technique que politique. La configuration de ce gouvernement me fait croire à la bonne volonté du président d'exécuter, n'est-ce pas, ce qu'il a promis. Il a promis mettre en place un gouvernement compétent, fait, n'est-ce pas, des hommes et des femmes talentueux. Et moi, je pense que c'est que l'équipe qui a été communiquée, publiée hier, est une très bonne équipe parce que parmi les membres du gouvernement, je connais des gens de très grands talents et capable, n'est-ce pas, de relever les défis. La nouveauté du gouvernement de la 4e République est la création du poste du ministre conseiller à la présidence de la République. Il est confié à l'ancien président du présidium du Forum national inclusif, Nouradine Delwa Kassiré. Selon certains acteurs de la classe politique, cette nouvelle équipe qui aura la charge de mettre en œuvre les réformes institutionnelles de l'État n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les gens sont là pour attendre. Les erreurs ne seront pas permises. Parce qu'aujourd'hui, si ce gouvernement travaille comme celui, le précédent, on aura fait une réforme pour absolument rien. Moi, je les encourage, je les exhorte à un travail bien fait qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Donc il faudrait qu'ils tiennent très haut le flambeau, n'est-ce pas, du renouveau que les Tchadiens ont recherché. Notons par ailleurs que plusieurs ministres ont gardé leur portefeuille. C'est le cas de Ahmad Mahamad Bachir de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Djimet Arabi du département de la justice ou encore Mahamad Zenchérif du ministère des Affaires étrangères. Au Bénin, la grève dans l'éducation et la santé est suspendue. Les syndicats ont appelé ce 7 mai à la reprise du travail après 3 mois et demi de débrayage. Une suspension qui n'est pas synonyme d'accord puisque aucune revendication n'a été satisfaite. Reportage entre correspondants Lefty Ounou, commenté par Tchekomar Bandaougou. Au Bénin, la grève dans les secteurs de l'éducation et de la santé est suspendue. Les trois derniers syndicats en lutte ont appelé ce lundi 7 mai 2018 à la reprise du travail après plus de 3 mois et demi de débrayage. Ils rejoignent ainsi les trois autres organisations syndicales qui avaient également levé leur motion de grève le 9 avril 2018, plus tôt pour sauver l'année académique en cours. Les gens reprennent la mort dans l'âme. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. C'est mauvais. C'est nous qui faisons l'effort pour demander aux camarades de reprendre. Sinon, les camarades, même ceux qui ont repris, ils ne font rien dans les classes. Ils ne font rien dans les centres de santé. Même dans les tribunaux, les gens qui reprennent timidement ne font rien. Nous, nous disons, si vous reprenez, c'est vrai, faites l'effort de travailler, mais organisons-nous, puisque nous ne faisons pas la grève, naturellement, contre les populations. Nous voulons que le gouvernement se réveille, qu'il nous écoute et qu'il règle les problèmes.
Le dégel de la crise sociale est effectif sans la satisfaction des revendications des travailleurs des secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Les secrétaires généraux des centrales syndicales estiment n'avoir pas jeté l'éponge. Ils entendent poursuivre les négociations. Nous avons l'ADN, la lutte, le combat dans notre ADN. Et nous serons prêts encore à remettre ça. Et ce serait dommageable pour la population, mais le gouvernement, en ce moment, la population comprendrait que le gouvernement, malgré cet effort que nous avons fait, la bonne foi que nous avons fait preuve, eh bien, le pouvoir n'a rien fait à ce moment. Si nous revenons en mouvement, eh bien, la population nous comprendrait. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Il y aura les négociations. Je suis presque persuadé que le gouvernement fera l'effort de vite régler les problèmes, de discuter, d'engager les discussions pour une sortie véritable de crise. Mais si ce n'est pas le cas, ben nous aviserons. Les travailleurs étaient en grève dans la foulée du retrait de leur droit de grève par l'Assemblée nationale et exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rappelons que les 6 centrales syndicales avaient déclenché un débrayage général dans l'administration le 16 janvier 2018. Elle rencontre à présent avec Nafissa Amidou. Elle est l'une des rares femmes nigériennes à évoluer dans le secteur de la production d'aliments pour bétail. Avec un diplôme universitaire en poche, elle s'est lancée en 2014 dans la création d'entreprise, une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Salma, que vous allez découvrir dans ce reportage signé de notre correspondant sur place, Sadou Alizé Mouktar. Nafissa Hamidou est l'une des rares femmes évoluant dans la production des aliments pour bétail à Niamey, la capitale nigérienne. Au Niger, pays de l'élevage par excellence, cette activité constitue une importante source de revenus dans l'économie du pays et celle des ménages. Cependant, il fait face à de nombreux problèmes dont le plus persistant est la crise pastorale due au récurrent déficit fourrager. En créant son entreprise dénommée Salma en 2014, cette femme nigérienne titulaire d'un diplôme de sage-femme est aussi spécialiste en jarre et plaidoyer voulait venir en aide à la communauté en apportant des solutions aux problèmes que rencontrent les éleveurs. Une façon de contribuer au développement du secteur de l'élevage au Niger. Au Niger, on n'a pas une entreprise et une unité de production d'aliments bétail. Et moi, je me suis lancée. J'étais partie voir l'INRA. On m'a dit c'est nouveau de l'INRA. J'étais partie, j'ai vu l'INRA, les chercheurs. Je leur ai demandé est-ce que je peux prendre la formule en tant que privé. Le monsieur il s'est un peu marré. Il me dit attends-toi, femme. J'ai dit oui. Intellectuel, j'ai dit oui, pourquoi pas. Il me dit mais c'est bizarre, tu peux le faire. Parce que nous, INRA, on fait la recherche et c'est vous autres de vulgariser. C'est pas facile. Mais sincèrement, si tu peux le faire, nous, on va t'encourager. Et en 2014, j'ai acheté ma première machine. Je me suis lancée dedans. Le mélange de cet aliment bétail se fait à base de plusieurs éléments nutritifs grâce à une formule obtenue au niveau de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Un mélange qui améliore l'alimentation et la productivité du bétail. J'ai pris 2 sacs juste pour essayer. J'ai amené à mes moutons et quand je leur ai amené, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les moutons sont tombés dessus. Donc l'applicabilité était très forte déjà au début. C'était le coup d'essai. Après, j'ai demandé une plus grosse quantité justement pour voir qu'est-ce que ça va donner maintenant en termes d'effet sur le format, sur l'embonpoint de mes animaux. Et je me suis rendu compte après l'utilisation, au bout d'un mois, deux mois, vraiment mes moutons avaient changé. Ils étaient déjà devenus tout blancs sans que je les lave, mais ils étaient devenus aussi gros et gras. Passionné du métier, jadis considéré comme exclusivement masculin, Nafissa Hamidou, promotrice de l'entreprise Salma, dit vouloir être un modèle pour les autres femmes nigériennes. Œuvrant de manière artisanale avec ses collaborateurs, Nafissa Hamidou roule sur ses propres fonds. Elle envisage de moderniser et d'étendre ses prestations dans les autres régions du Niger. Et du sport avec les préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Bénin a affronté en match amical le Congo. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1-0. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant au Congo, Deva Panso.
Il y a eu peu d'affluence ce dimanche 6 mai 2018 au stade Alphonse Massamba Déba, mais cela n'a pas retenu les 22 acteurs sur le terrain. Au cours de ce match amical entre les juniors congolais et les béninois, ce sont les Diables Rouges qui ont ouvert le score à la 35e minute par Racine Luamba après un cafouillage dans la surface adverse. 1-0, ça a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, les écureuils ont relevé le niveau de jeu et cela s'est concrétisé par l'égalisation à la 51e minute, obtenue grâce à Rodrigue Kossi. 1-1 à la fin du temps réglementaire entre le Congo et le Bénin. Physiquement, on a démontré que nous, on sommes vraiment forts parce qu'il n'y a pas un joueur de chez nous qui était par terre avec des crampes et choses comme ça. Donc, je suis vraiment content et sûr qu'on sommes dans le bon chemin. Le plus important, c'est préparer pour Botswana. Mais si moi, si j'avais gagné, j'étais content. Si j'avais perdu, moins content, mon objectif, c'est le Botswana. Donc ça, c'est là que ça compte. Si tu gagnes aujourd'hui et tu vas à Botswana et tu perds, ça ne change rien. Pour les visiteurs, ce match a été un véritable test avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Il a aussi servi de baptême pour certains joueurs du Bénin. Peut-être que c'est leur premier match test. Donc, par rapport à l'âge, parfois ça ajoute sur les joueurs. Et maintenant qu'ils ont joué ça, je crois que prochainement ça peut aller. Les ambitions, quand tu rentres dans une compétition, l'ambition c'est de se qualifier et jouer la compétition. Donc c'est notre ambition. Notons que les écureuils du Bénin disputeront un second match test face au club brazzavillois de Diable Noir ce mardi 8 mai 2018. Ils s'envoleront ensuite pour Banjul où ils affronteront la Gambie le 13 mai pour le compte des éliminatoires de la 21e CAN Junior Niger 2019. Les Diables Rouges du Congo, quant à eux, seront accueillis par le Botswana le samedi 12 mai à Gaborone. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.